Noémie Fournin, on est ici aujourd'hui à Angleur. Vous êtes venu avec Sporting de Charleroi contre Standard, ici Derby Wallon. Comment tout s'est passé? C'était très difficile. Je pense qu'aujourd'hui, tout le groupe s'est bien donné, on s'est bien battu. C'est ce qui a fait vraiment notre identité. Après, oui, c'était difficile, mais je trouve que 2-0 contre le Standard, c'est quand même un score qui est correct. Oui. Dans le match, il y avait peut-être une occasion en premier mi-temps là, pour Renate Lee. Pour Renate Lee Mehevet. Oui, c'est possible, mais ça allait tellement vite que je ne me rappelle pas exactement de l'action. Donc, oui. Maintenant, on est presque à la fin de la saison pour Charleroi. Il y a encore les play-offs, mais pour vous autres, presque la fin du championnat. Comment tout est passé cette saison? Ben, franchement, je m'attendais à pire. Pour être honnête, on s'attendait à avoir quand même des 10-0. Et oui, la semaine passée, on a eu 9-1 contre Gand, pardon. Mais je trouve que dans l'ensemble, on s'en est plutôt bien sorti. On s'est bien battu, on a donné tout ce qu'on avait. On a énormément progressé, que ce soit individuellement ou en groupe. Et on est quand même fiers du travail qu'on a accompli, même si ça n'a pas toujours été facile. Et que, on est consciente que la difficulté était là, mais que malgré tout, on n'a pas baissé les bras, et c'est ce qui est le plus important à retenir, je pense. Oui, parce que vous avez pris 6 points, c'est déjà beaucoup plus que beaucoup de monde avait pensé. Oui, quand on a commencé la saison, la plupart des gens pensaient qu'on allait se prendre des raclées à chaque match, ce qui n'a pas été le cas. On s'est surpris par certains matchs en ayant des matchs nuls, et voire même une victoire. Ce qui nous a rendu quand même assez fiers et je pense qu'on a effectué notre part du travail. On est allé chercher les points que personne n'espérait avoir. Oui. Maintenant, il reste encore 2 matchs OHL Women et puis à Lost. On va encore essayer de faire quelque chose dans ces 2 matchs aussi? Évidemment, on va se battre jusqu'au bout. Hein. On ne va rien lâcher. On va essayer de tout donner et de ramener encore 1 point si c'est possible, voire 3. On ne sait jamais, tout est possible. Ok, je vous remercie. Bonne chance en tout cas. Merci beaucoup à vous. Au revoir.